Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursaleen, chers téléspectateurs de Umma TV, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour cette première émission sur le mois de Ramadan à partir des textes coraniques. Nous savons tous que tout projet, toute idée, toute activité qui n'est pas fondée et qui n'a pas des assises solides ne peut pas atteindre ses objectifs. La raison pour laquelle, pour cette première émission, si vous permettez bien sûr, nous allons aller chercher dans le Coran les textes, les versets coraniques qui parlent du mois de Ramadan. Vous savez que les sources en islam, il y en a deux, le Coran et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et si j'ai privilégié, j'ai pas préféré, mais voilà, pour commencer par le commencement, comme le faisait tout le temps le prophète, alayhi salatu wassalam, on commence par le Coran et après on passe à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, qui, je rappelle, elle est explicative de ce qui peut être général dans le Coran. Et à la première lecture des versets coraniques qui sont dans sourate Al-Baqarah, à partir du verset 182, je crois que, et nous allons le voir dans cette série d'émissions, qu'on a décidé qu'elle soit courte, qu'elle soit plus utile, on a constaté que le Coran, il a bien détaillé le jeûne du mois de Ramadan, et que le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a fait que appliquer et pratiquer, bien sûr, après, avec quelques petites explications, bien sûr, lorsqu'il y avait nécessité. Les fondations du Coran sont solides. Et ce n'est pas parce que nous avons l'habitude de jeûner que nous n'avons pas ni le droit, ni aussi l'obligation de revenir à chaque fois au Coran pour d'abord nous remettre en question en tant que jeûneurs, et pour aussi vérifier l'authenticité de notre pratique. Et je crois que c'est important pour nous tous, jeûneurs, de revenir, chaque année d'ailleurs, au texte de base, qui est le Coran, pour comprendre d'abord pourquoi du jeûne, et pour apprendre aussi le sens du jeûne, et pour bien appliquer et que notre pratique soit conforme au texte du Coran, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, révélée au prophète, alayhi salatu wassalam, puisque nous le savons très bien, c'est l'ordre donné au prophète, alayhi salatu wassalam, le premier, c'est lui qui, bien sûr, il a aussi transmis cet ordre à tous les compagnons et à nous tous jusqu'à aujourd'hui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, la parole révélée, exacte, vérifiée et véridique. La raison pour laquelle nous allons, si vous le permettez, bien sûr, chers téléspectateurs de Umma TV, lire les textes sur le jeûne du mois de Ramadan, qu'elles sont nombreuses quand même, hein, je rappelle, dans sourate Al-Baqarah, avec des détails, avec des précisions, et juste entre parenthèses, ça ne sera pas de l'exégèse, ni de tafsir, mais ça sera des explications toutes simples pour qu'on puisse savoir et connaître et apprendre et comprendre le jeûne du mois de Ramadan à partir de bases solides. Vous savez, malheureusement souvent, on passe par la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, qui est nécessaire, qui est importante, mais on néglige la base, le premier texte fondateur du jeûne du mois de Ramadan, puisque je rappelle que le jeûne du mois de Ramadan, c'est un rite, c'est une adoration. Et toute adoration qui n'est pas fondée, qui n'a pas une assise valable, solide, du Coran et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, j'insiste sur le terme « et », ne sera pas valable. On va voir ensemble donc ce que dit le Coran globalement sur le jeûne du mois de Ramadan. Et bien sûr, chaque jour, vous nous retrouverez, Inch'Allah ta'ala, pour plus d'explications. Et on va essayer d'accompagner nos chers téléspectateurs d'Umma TV tout le long de ce mois de Ramadan. En fait, vous aurez 30 émissions, 30 chroniques, disons, 30 explications, mais toujours avec le fil conducteur, le Coran, puisque on insiste beaucoup là-dessus. Lorsqu'on observe un peu comment les musulmans fonctionnent, on s'aperçoit que le Coran, malheureusement, il passe en deuxième plan, ou bien il est négligé, alors que on doit commencer par
qui t'éblait par le Coran, puis la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam, sans négliger, bien sûr, l'apport du prophète, alayhi salatu wasalam, puisque sa pratique, sa vie, son œuvre, elle est explicite, hein, et elle a très bien traduit ce que voulait le Coran sur le jeûne du mois de Ramadan. Voilà, ça sera, inshallah, on se retrouvera chaque jour avec un verset coranique qu'on va s'arrêter longuement pour comprendre. Mais je rappelle, avant de finir, et bien sûr, on vous souhaite un bon Ramadan avec beaucoup de spiritualité surtout, je rappelle que dans sourate Al-Baqarah, où est inscrit l'obligation de jeûner avec tous les détails. Assalamu alaikum wa rahmatullah.